pour un nouveau vlog. Alors, je vous retrouve dans la voiture parce que ce matin on est parti en mission. Coucou le chéri. Salut, salut. Pour trouver, essayer de trouver la fameuse plante dont je vous ai parlé et que j'ai envie de mettre au niveau de la cuisine et la baie vitrée. On a déjà fait deux jardineries. C'est ça, c'était deux jardineries. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trouvé exactement ce que j'avais en tête, donc on continue. Juste en cherchant la grande plante, on est tombé sur cette petite plante. Alors c'est un arrangement Vivistona. Voilà, je m'y connais énormément en plantes, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais j'ai trouvé ça très joli et je pense que ça, on va le mettre sur le meuble de l'entrée. Ouais. Et donc direction botanique, c'est ouais. Ça pour voir ce qu'ils ont là-bas. Sinon on va finir à Jardiland, hein, puisque je sais qu'à Jardiland ils en ont aussi des jolies plantes comme je regardais. En gros, quand on aura fait quasiment toutes les jardineries du coin, peut-être qu'on aura trouvé. Et puis tu viens de me dire que tu avais envie qu'on aille faire un petit tour chez Ikea parce qu'on cherche un bureau pour la puce. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé spécialement un bureau qui lui tapait dans l'œil. Et comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés chez Ikea, c'est vrai que peut-être qu'on devrait aller faire un tour. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Donc autant, on va aussi aller chez Ikea. Bon, bah petit tour chez Ikea fait et on a trouvé un bureau pour Jen. On va essayer de lui monter avant qu'elle rentre de l'école. C'est sympa. Pour lui faire une petite surprise. Ouais. On va essayer. Je sais pas si on va y arriver, mais si on peut, on le fait. Ça devrait. Bon, par contre, on n'a toujours pas trouvé la plante pour l'intérieur. Mais on n'est pas encore allé chez Jardiland. Dernier espoir. Sinon, il faudra que je change d'idée. Mais c'est pas très grave parce que des plantes, il y en a plein qui sont jolies, mais c'est vrai que j'avais cette idée-là en tête. Je peux pas vous dire quoi parce que par contre, je connais pas le nom. Si, on a vu. Maya Palm, c'est ça? Dans certains magasins, ils appellent ça comme ça, mais je sais pas si c'est réellement le nom de la variété. Bref, on continue nos recherches. On va peut-être aller manger aussi, accessoirement. C'est bon, on a tout juste eu le temps de monter le bureau. Et là, on part vite pour aller chercher les enfants à l'école. Et je vous montre tout ça avec Jen quand on est revenu. Par contre, du coup, on n'a toujours pas trouvé la plante. Parce qu'on n'est toujours pas allé chez Jardiland. Mais ça, je vous l'ai déjà dit avant qu'on aille à la maison. Et en fait, entre temps, on n'est toujours pas allé non plus. Peut-être qu'on ira un jour. Peut-être que je trouverai cette plante un jour. Un jour, peut-être. On vous tient au courant de toute façon. C'est comme l'histoire du prince charmant. C'est comme l'histoire du prince charmant, ouais. Du prince charmant, pardon. Un jour, peut-être je le trouverai. Il viendra. N'importe quoi. Bon, du coup, on va chercher les enfants. Oh là là, entre Shaki Jen et Josh Michael, tu sais. Ah mais j'en peux plus de vous. Hein. Tu peux nous expliquer là, ce que c'est maintenant? Danse au salon. Danse au salon avec le caddie. Tu nous fais danse avec les stars au supermarché. Ah il s'applique. Ouais, le problème c'est qu'il y a des cartons, t'as vu? Très bon danseur. Oh là 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 là. Bon. Tu danses trop bien mon caddie. Hein. Ouais c'est ça. Josh de Remez. Only comes to you. Don't be blind, but the spirit from my heart when it comes to you. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on a la chance d'avoir Josh Guetta dans la voiture. Attends, il faut que je coupe, il faut pas. Je peux pas leur infliger ça. C'est le David Guetta de mais des supermarchés. Ah non mais le duo d'enfer quoi, on n'en peut plus de vous. Et dis donc, je t'ai déjà dit quoi? Le sac, on le range dans sa chambre. Allez hop, je te suis. Oh mais pourquoi il y a des outils ici? Alors? C'est trop bien! Il est beau? Il te plaît? Bon, j'ai pas eu le temps de monter, mais tu vas voir tout à l'heure. On t'a aussi pris la petite chaise rose qui va avec. Dès que c'est monté, on vous montre tout ça. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on devait t'en acheter un de bureau. Et au final, on l'a trouvé chez Ikea. Voilà. Et pourquoi le volet se referme? C'est très intéressant ça. Bon, bah on est dans le noir. Hein. Mais donc, voici notre choix. Alors pourquoi? Mais parce que déjà il y avait une petite touche de rose, hein, donc on a trouvé ça sympa. Et si tu regardes bien, il est réglable. En fait, si là c'est un peu trop bas, on pourra le monter au fur et à mesure que tu as envie. C'est vrai que... Après quand tu seras assise, je pense que tu seras contente qu'il soit un petit peu bas comme ça. Bon, c'était une bonne idée?
Maintenant, faut monter la chaise. On vient vous montrer quand c'est fait. Alors, toujours dans le montage? Oui. Tu t'y colles? Une petite chaise pour le bureau de Jen? Oui, ça va être trop chaud. Ça va être trop mignon. Et puis, il y a ça pour mettre les pieds. Elle pourra reposer ses pieds dessus. Mmh. C'est cool. Bon, je te laisse faire. Ouais. Et voilà! Le petit fauteuil est terminé. Est-ce que tu peux tourner pour nous montrer? Alors déjà, voilà. On peut mettre les pieds, donc là elle a descendu un petit peu par rapport à la hauteur du bureau. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on peut régler ça pour l'avancer ou le reculer. Et ça également est réglable. Et il est rose, il est girly, je sais pas ce que t'en penses. J'aime trop. Il est parfait. Mmh. Il va très très bien avec le reste de la chambre. Hein. Bon ben je te laisse profiter de ton nouveau bureau pour peut-être, je sais pas, réviser, faire les quelques devoirs que tu as. Est-ce que tu as des devoirs ce soir? T'en as pas? Ouais. Ça c'est magique. Je vais chanter. Tu vas chanter? Ok, Crapulva. Eh ben, je te laisse chanter. Ah d'accord, ok, Michael Jackson et tout. Ah, ben, moi, j'ai hâte d'entendre ça. Hein. Je sais pas si vous aussi. Je crois que je vais revenir filmer en douce. Allez, je te laisse t'amuser un petit peu. Et après, la douche et on mange. Ok? Alors, je vous retrouve pas mal plus tard. Et entre temps, bah, étant donné qu'on était en plein dans le montage des meubles de Jen, on en a profité pour changer un peu la disposition du salon. Puisque je vous avais déjà dit que ça me perturbait d'avoir le canapé devant les fenêtres. Donc... pour l'instant, on les a mis comme ça. On va voir si on les laisse comme ça ou si on change à nouveau d'avis. Et j'aperçois une petite fille en pyjama. Est-ce que ce serait l'heure d'aller au lit? Oui. Donc, tu montes te laver les dents et tu me fais un gros bisou d'abord. Mais avant, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu, même s'il aura été, je crois, tout petit, 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 petit. Et on vous fait plein de gros, gros bisous. On vous dit à très, très bientôt. Ciao. Salut, salut.